Salut YouTube! On va y arriver. 15 fois que je veux lancer le truc et en fait je sais pas si je suis mute ou si je suis pas mute. Bref, on est de retour sur Heart of Iron. On joue avec Ecladus, j'ai la Chine communiste, il a l'URSS. Est-ce que le Comintern, est-ce que le communisme va diriger le monde? On verra, est-ce que toi aussi tu veux que le communisme dirige le monde ou pas? Dis-le moi dans les commentaires. Twitch te salue, les gens du chat te disent bonjour et te remercient de ta présence sur cette VOD. Voilà. Bien. Alors comment ça se passe, monsieur Cladus, pour le moment? Est-ce que tout va bien? Est-ce que le déploiement des troupes s'opère? Écoute, l'organisation est en marche. Très bien, très bien. Le déploiement s'organise. Je n'oublie pas de mettre des troupes vers l'Estonie et la Lettonie pour pouvoir les capturer de manière automatique d'ici quelques années. En cas de pacte germano-soviétique, tout à fait. Bien sûr. Je ne sais pas si ce sera pertinent. Twitch et YouTube qui saluent le communisme, yes. C'est bon. Je vais l'écouter. Bon goûter à toi, Queen Kirala, et bisous à toi également. Bon goûter. Petite question, est-ce que tu as déjà prévu une ou deux unités hors armée, donc une petite armée de deux ou trois maximum, on va dire, exclusivement composée de chars, que tu pourrais éventuellement m'envoyer en tant que volontaire pour les petites guerres? Je ne savais pas quand est-ce qu'il te les fallait. Bah, en fait, c'est dès que je suis en guerre, tu peux m'envoyer des volontaires. Okay. Donc ce sera sous peu. Après, je sais pas si ce sera une unité, deux unités ou trois unités que tu pourras m'envoyer. À mon avis, c'est une, mais dans le doute, je ne sais pas. Trois. Très bien. Alors, où ok, moi, je commence à justifier les objectifs de guerre contre le Shangzi. J'ai trois chars qui sont prêts à rejoindre les Parfait. Forces chinoises. Parfait. Force de libération de l'armée, la première armée populaire de libération nationale, hein, bien sûr. Bien sûr. Alors qu'un moucheron a décidé de s'installer au-dessus de mon écran d'ordinateur. Et est-ce que ce moucheron est belge? Si oui, peut-être qu'il habite dans la ville de Moucron. Abonne-toi YouTube, hein, bien sûr. Ah, toujours, toujours, toujours. Ouais, ouais, ouais. La Russie, ils sont forts pour envoyer des volontaires dans les guerres des voisins. Oui, c'est vrai. Alors, on me dit sur Twitter, plus qu'à te faire pousser la moustache pour devenir le leader iconique de la révolution qu'on attend tous. Tout à fait. C'est vrai. Ok, c'est parti. Ok, let's go donc. Alors attends, moi je vais pouvoir attaquer le 18 mai 36, pas avant. Ok, il faut que je justifie contre eux du coup. Ah mais non, ce sera trop tôt. J'aurai pas le temps. Mao Bichon, mais oui. Alors, qu'est-ce que ça produit là? Oh putain, on a qu'une. Oh ouais, on a qu'une usine. Putain, à l'aide. J'aurais peut-être dû pas renforcer le secrétariat général et faire redistribution des terres ou... Peut-être. Ou inviter les investisseurs étrangers plutôt. Hein. C'est vrai que ça peut être pas mal. L'équipe féminine du PSG a échoué en demi-finale de Ligue des Champions. Ah, ouais. Terrible. J'ai pas suivi la demi-finale, j'avais vu qu'ils avaient battu Lyon en quart, ouais. En quart de finale, ça m'a fait bien plaisir personnellement. Mm-hmm. Beaucoup moins Jojo ici présent, bien sûr. Oui, forcément. Pour lui, mais ici c'est pareil. Quoi. Non, mais puis c'est cool qu'une équipe féminine, française puisse aller loin, quelle qu'elle soit. Mais c'est vrai que c'est pareil, c'est mieux. Pour moi, oui. Alors, on produit 13 fusils par jour, c'est peu. C'est très peu. On va mettre la priorité là-dessus. Mais attends, en fait, faut que j'enlève ça. Tout le stock va aller ici. Voilà, c'est mieux. Attends, il y a besoin que 400 matériels d'armes. Regardez, putain, en fait, on fait des armées avec 4000 soldats dedans, mais il n'y a que 400 fusils. Quand celui qui a le fusil meurt, celui qui est derrière récupère le fusil et continue d'avancer. Au secours. Ok. Qui allez-vous attaquer en premier? Bichon va attaquer en premier, je crois. Le Shangzi. Voilà. C'est ce que j'allais dire, mais... Je vais essayer d'unifier la Chine. J'imagine que c'est ce territoire-là.
C'est ce qui est marqué Shang-Zi en gros dessus. Oui, mais j'étais sur la carte mère et du coup je voyais pas le. Ah oui. Effectivement, c'est ça. Moi, je vais être pacifiste. C'est un peu. je vais être RP par rapport à. Oui, ça. Par rapport à l'histoire réelle. Respecter la nature et au final, l'homme. Exactement. Allez, moi, dans 3 mois, je peux attaquer. Dans 2 mois, pardon. 1, 2, 3. Non, 3 mois. Qu'est-ce que je peux faire déjà comme truc? Attends, j'ai quoi? La croisée idéologique. Il y a Deng Xiaoping. Ah, il faut que je le nomme Deng Xiaoping. Avec les du pacifiste, personne n'y croit. Super. Il y a 4-1, au secours. Ouais, c'est ce que me dit Galeros aussi. Mais du coup, est-ce qu'on peut lui faire confiance maintenant? Oui, je pense. Oui, je pense, là, oui. L'unification par le pacifisme et l'amour, bien entendu, Forlight, tout à fait. Moi, je crois au pouvoir des fleurs. Ah oui, changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Exactement. La guerre au vent. L'amour devant. L'amour devant. Avec ça. Des fleurs des champs. Comme Didier. Didier des fleurs ? Quoi ? Au secours. Ah, c'est lui qui dit ça, quoi, merci. Donc ça, il reste 9 jours, donc c'est bien le 10 mars. Donc là-dessus, on pourra... Le 10 mars, t'auras ta priorité nationale qui va être atteinte. Hein, donc prépare-toi déjà à choisir la suivante. Oui, mais je ferai une pause, de toute façon. Ah moi, ah, le mec. Il faut du temps pour comprendre. Pour, tout pour à fait. T'as un mode, on est d'accord, au fait, sur l'affichage, non Je crois pas. Non, ok. Donc c'est-à-dire qu'ils ont changé les trucs comme ça. Ok, c'est beau. C'est joli. Je viens de faire un truc, je suis pas sûr que ce soit ce qu'il fallait faire, mais... C'était quoi? N'hésite pas à me demander au cas où. C'est sur l'organisation des bateaux, en fait. Ah ouais. J'ai créé une escadre et... Qu'est-ce que tu me conseilles au niveau de la priorité? Je fais du militaire ou je structure le pays? Alors on dit toujours 36-37, c'est pour structurer le pays et développer l'industrie potentiellement. Mais... Ouais, mais sur le plan politique et de relations internationales, je parle des priorités et pas des technologies pour le coup. Ah, des prios. Ouais. Développe aussi l'économie, okay. Pour l'instant. Après, en 37, il faudra bien que tu fasses les purges parce que ça prend 210 jours à faire, donc c'est assez long. Faut les faire, enfin, en fait, faut les faire relativement tôt, quoi. Early 37, si possible. Comboiré et Nantes qui mènent 4-0 contre Brest. Ouf. Brest, là, s'il vous plaît, quoi. Un peu de décence. Bah ouais. Économie fermée. Comment ça, économie fermée? Ah, mais j'ai lutte de pouvoir. Ah ouais, attends, pourquoi j'ai lutte de pouvoir? Ah non, c'est juste pour ça. Ah ouais, non, non, attends, non, non, on va pas faire d'économie fermée, là. Libre-échange. C'est complètement roleplay. Thèse de construction et thèse de recherche. Vas-y, on fait libre-échange pour le moment. Je suis combien en poids politique? 136, ok. Ah, pardon, on est en pause, désolé. Pas oui. Alors que la Rhénanie est remilitarisée. Est-ce que Comboiré au-dessus d'Aloglio? Non, jamais. Bonsoir, Polal, comment ça va? Alors, la Turquie reprend le contrôle du Bosphore. Mobilisation immédiate de l'armée, on est d'accord? Oh, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Dis donc, Atatürk. On va mettre un peu la pression. Et au niveau recherche, on a dit qu'on avançait sur l'industrialisation. Après, moi, je préfère qu'on s'allie à Atatürk plutôt qu'on lui tape dessus. Mais bon, tu fais comme tu veux. Hein, oui, c'est ton domaine d'influence. Négociation... Hein. Oui, tout à fait. Les Turcs proposent un compromis. Parfait. Et compromis, chose due. 5-1. Oh putain, mais alors là, ça y est. Ah, c'est parti, c'est ouvert là. Et bonsoir Polal, comment vas-tu? C'est quoi le mieux? C'est économie de guerre, on est d'accord? Ouais. C'est bien ce qui me semblait, mais je voulais être sûr. C'est complètement ça. Attends, qu'est-ce que ça m'a rapporté, moi, mon... Ah, mais rien du tout. En fait, le libre-échange, c'est de la bite, pour moi. Ça sert à rien.
Bah t'as rien à échanger, t'as que de l'import à faire donc. Ouais c'est ça en fait. Mais bon, en prévision de, au moins c'est fait. Un peu dépité par le DFCO et par l'arbitrage du jour. Alors, ne parlons pas de l'arbitrage en live. Ouais. Je risquerais d'avoir des problèmes. Ouais, ça. Pas du genre à attaquer les arbitres d'habitude, mais là. Alors que Der Zakarian va quitter Montpellier cet été, apparemment. Très bien. On pense à lui. Hilton aussi, a priori, va oui. quitter Montpellier. Ouais, ça, ouais. Je ne referai pas une deuxième fois la blague que j'ai osé faire sur non, Discord. Non, tout à fait. Surtout pas en live. Ouais, Guigui 5-1, ouais, ouais, c'est. Ça fait mal. Ça fait réfléchir, quoi. Surtout vu la physionomie du match, quoi. Ouais. Enfin, j'ai pas vu la deuxième mi-temps, du coup, puisqu'on est en live. Et sur la première mi-temps. Fin de saison est longue. Fin de saison qui a commencé en septembre. Mais attends, mais je peux tellement rouler dessus, là. Est-ce que je passe en vitesse 4 ou tu vas bientôt attaquer? Je attaque pas avant le 16 mai, je crois, donc tu peux passer à moi en vitesse okay. 4. Ouais. 18 mai même. Bon, je passe en vitesse 5 du coup. Oh le mec. Putain, crise d'épilepsie. Peur, mais je ferai pause hein, du coup. Mais... Attends, je vais voir juste si. Ah, mais je peux pas la faire la pause. Si, je peux la faire, c'est bon. Si. Je peux pas la faire avec espace, malheureusement. Les raccourcis clavier ne fonctionnent pas en multi. Tout à fait. Alors qu'on me demande si je veux instaurer la censure. Genre, il n'y a pas la censure déjà à la base. Genre, les gens ont une opinion, quoi. Ouais. Ah, attends, pause. C'est bon. J'avais oublié les petites technologies. Tout à fait, moi aussi, c'est pour ça que. Je crois que j'ai perdu un jour, mais bon. C'est pas fou. Promesse hein. de paix, mais quel intérêt. Oh, dans les décisions, ça sert à rien, ça. Enfin. Oui, non, mais même idéologiquement, je vois pas l'intérêt de promettre la paix. Ah bah si, puisque tu promets la liberté pour les peuples. La paix mondiale, donc. Ouais, d'accord. Après, à l'époque, quel est le meilleur moyen d'instaurer la paix que de faire la guerre avant, quoi. Hein, ça, c'est... Bah, qui veut la paix prépare la guerre, comme on dit. Eh oui. Reims qui gagne pas à Nîmes et Brest qui s'en prend 4 par Nantes, on n'a pas le repos. Putain. Sale journée. Tu me dis quand c'est bon, hein. Ah, c'est bon. Je suis repassé en vitesse 4 hein, pour mieux okay. maîtriser les pauses. C'est vrai que pour le replay YouTube, c'est pas la partie la plus intéressante. Non, pour le moment, non, mais là, ça va arriver là. Quand tu vas pouvoir commencer à attaquer. Bah là, dans 23 jours. Sachant qu'en face, ils ont que 3 unités. Si je rush vite, je peux très vite prendre la capitale. Parfait. Les dates d'attaque sont scriptées. Non, du tout, Forlight. C'est juste que, en fait, le temps que je justifie l'objectif de guerre, je fais pause ce jour-là, et comme ça, dans la foulée, j'attaque tout de suite, quoi. Et comme on me dit, toutes les deux heures, la pause s'impose, bien sûr. Exactement. Un petit général pour augmenter la force des divisions d'infanterie. Nous sommes le 6 mai. Tout à fait. C'est le 18 que tu peux attaquer ? Ouais. Je passerai la vitesse à 2 peut-être. Je ferai une petite pause pour lancer les attaques, okay. juste même. Très bien. Que je vais les micros pour rusher la capitale vite fait. Une semaine. Et comment ça se passe pour envoyer des volontaires ? C'est moi qui te propose directement. C'est ça. Okay. Tu cliques sur mon pays, tu sais là où tu as toutes les possibilités d'interaction avec moi. Et t'as un truc en voie de volontaire, je crois, ou un truc dans le genre. Envoyer des volontaires, effectivement. Voilà. Nous sommes le 17. T'es, c'est bon. C'est terrible. Bon alors. Bonjour le Shang-Zi. Déclarer la guerre. Hop, la guerre est déclarée. Alors attends, toc. Là, on va attaquer. Puis alors les deux là... Alors toi tu viens je là. Je peux t'envoyer qu'un seul volontaire, je suis désolé. Ok, pas de soucis. Alors du coup... Là en micro pour les laisser là. Toi tu viens là. Toi aussi au final. Et juste toi. Tu vas passer là. Ok. Chibizof. Et...
Hop, envoyer des volontaires. Alors, est-ce que je vais avoir la petite alerte qui me propose des volontaires? Plus on attaque à 8h du mat, c'est un peu tard, hein. Logiquement on attaque à 6h. J'accepte votre envoi de volontaires. C'est le décalage horaire, hein, forcément. Ouais, c'est ça. C'est ça. Arrivée prévue le 1er juin. Très bien. Eh bien écoute, ouais, repasse en 3 par contre. Et quand tu veux. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Let's go. Et du coup, c'est moi qui aurai la main sur l'unité ou pas? Ouais, tout à fait. Attends, pause. Tout à fait. Donc là, c'est bon, on va avoir 2 usines en plus, en sus. On va redistribuer les terres. Déjà, directement, on redistribue, là. Tac, 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 on n'a pas le temps. Attends. J'ai pas envie que tu te fasses cut, quoi. Du coup, tu vas soutenir ici. Il faut que je développe la constitution staline. Ah oui, 120 de poids politique. Et puis ça me permet d'autres technologies en dessous, notamment un emplacement de recherche supplémentaire. Ah oui, c'est vrai, For Light, putain, t'as raison. On ne dit pas la guerre est déclarée, on dit nos voisins vont être libérés du joug de leur oppresseur. De leur oppresseur capitaliste, d'ailleurs. Tiens, en parlant de ça, en parlant d'oppresseur capitaliste. On va passer à la défense. Ouais. Je partage le lien du multi dans le chat, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Le voilà, le multi. Développez donc, monsieur, et vite, mais de quoi tu parles, Rusty? De développer ton pays. Je peux reprendre? Ouais, tout à fait. Ouais, c'est dur, hein, Justin Bridou. C'est dur, le score. Surtout qu'au tout début, bon... Bref, on dira pas plus, mais... Ah, j'ai que 2 emplacements de recherche, quoi. Terrible. Compliqué. Ouais, c'est pas simple. Allez, ça avance. Ici, on cut. Voilà. Ici, ça va gagner. Tu me diras s'il y a un endroit où tu veux que j'avance en particulier. Alors, en fait, l'idéal, ce serait que tu viennes au nord de mon territoire. Parce que vu que t'as des chars en montagne, c'est pas simple. Donc, que t'ailles choper les plaines, en fait. Oui, enfin, ouais. Que t'ailles choper les plaines au nord du pays, en fait. Tu fais gaffe parce que le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Ah ouais? Du coup, je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils, mon domaine. Mais attends, est-ce que Hakim, le fils du forgeron, est venu te chercher? Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée. Mais non. Là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes... On arrête là, non ou... Après de longues batailles, oui, on va faire ça. Jolie pocket. Ne pas confondre avec une poly pocket. C'est vrai. Alors, attends. En fait, au final... Ouais, si, il faudrait que tu fasses ça. D'ailleurs, je vais continuer de pocket un peu ici. Voilà, hop. C'est le café pause, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est Barbie. Allez, allez. Putain, merde, faut que je commence à justifier chez les autres aussi, moi. Changement possible au gouvernement. Attendez, je fais petite pause parce que je dois prendre des décisions. Oh là là, terrible. On va augmenter les volontaires. Quoi, j'en ai pas besoin pour l'instant, en fait. Koulibaly qui donne une tournée d'après-match à l'arbitrage, ça n'a pas aidé. Okay, c'est compliqué. Dire que Koulibaly veut rester en ligne au secours. Ouais. Bah, disons que l'arbitrage n'a pas aidé au début du match, mais c'est vrai que ça n'explique pas la fin, du coup, apparemment. Vous régalez, messieurs, mais c'est un plaisir, Rusty, c'est un plaisir. Ok, donc là, on va couper les 2 unités qui restent de tout le reste du pays, c'est parfait. Ah non, putain, elle est au nord, là. Il y a une unité au nord, en fait, tu vois, à ta droite, là, de tes unités. Ouais. Elle peut être chiante, potentiellement. Ouais, mais c'est de la montagne, après, moi, je peux pas faire grand-chose, hein. Non, c'est sûr, mais voilà, faut la surveiller, quoi. Pas qu'elle te pocket, je veux dire, quoi. Traverser la rivière, ça annonce compliqué. Le fleuve, pour être précis. Ouais, c'est long, mais y a pas de souci. L'état de Ordos. Merde. Intéressant, on se croirait dans le Dune, le jeu.
Les perfides Ordos. Évidemment, il faut avoir la ref. Moi, j'ai donné que du 1-3, ils ont lâché la mitrailleuse qu'on s'est pris dans la tranche. Ouais, bah c'est ça. Après, si le mental lâche. Hein. Forcément. Comment ça, il essaie de se casser, lui? Oh, salaud. Puisqu'elle était, une époque où le territoire avait déjà été conquis. Là, il y a des poches de résistants partout. Bah non, pour le coup, elle a jamais été unie avant 49, la Chine. Donc là, on s'occupe justement de faire comme en vrai. Comment ça, j'ai été pocket? Excuse-moi, je viens de créer mon service de renseignement. C'est important. Heureusement, j'ai le fleuve qui me protège, mais c'est pas fou. Ah oui, en bas, oui, effectivement. Ouais, non, mais c'est bon, j'ai ma petite unité qui va s'en occuper. En fait, il y en a une qui m'en immobilise 3 là, donc la pocket au nord-ouest. En effet. En même temps, oui, c'est vrai qu'on a été réduit à 10 également. Non, c'est pas faux, et qu'on a réussi à marquer du coup en étant réduit à 10. Qu'est-ce qui a marqué du coup? Non, on avait marqué avant, non? Je sais pas. Ah non, 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 puisque le carton rouge c'est sur le deuxième but de. Ok, je vais pouvoir leur prendre la capitale, Metz. Ils sont en train de faire une erreur. Ah, c'est en train de les bait. Alors je vais avoir une pocket, mais au final je pourrais choper la capitale quand même. Oh les cons. J'ai vu le film Adieu les cons hier soir. Ça marche. C'est un excellent film. Je recommande chaudement. Après, faut aimer Dupontel, mais j'aime beaucoup. Personnellement. Ça marche. Voilà. Ok. Alors qu'on nous dit que c'est même Baldé qui a marqué le but dijonnais. Ouais. Attends, petite pause. Capitulation de l'Ethiopie, ok. On s'en fout un peu. Tout à fait. Aussi a également bien aimé le film. Ah. Non, c'est vraiment... Ok, c'est bon, on va pas être pocket en plus. Parfait. C'est vraiment chouette. Ça démarre bizarrement, mais bon, comme du Dupontel et... Non, vraiment, vraiment bien. Allez, avancez, leurs armées, là. Voilà, ils ont libéré leur capitale et nous, la chope. Oh, les cons. Ah bah, je pense qu'ils risquent de capituler dès maintenant, en fait. Une guerre potentiellement rondement menée. Enfin, je sais pas, on va voir. Ah putain, tiens, il y a la capitale que tu peux choper, leur nouvelle capitale. Tout à fait. Parfait, ça, ils ont plus d'armée là-bas en plus. C'est bon. C'est sur le chemin. Oui, ça coûte le DFCO actuellement à la vente. Je crois que c'est 3 Twix et un... Pas forcément plus. Hein. Ok, c'est bon, ça capitule. Voilà. Parfait. Merci, merci beaucoup. Un plaisir. Alors prépare, enfin au cas où, je vais en relancer une dans pas longtemps, donc voilà, laisse-les bien tout seul. Oui, tout à fait. Par contre, je vais encore te prendre un petit peu d'acier, si ça te dérange pas. Écoutez, je vous en prie, faites comme chez vous, faites-vous plaisir. Ça marche. J'ai largement de quoi subvenir mes propres besoins. Un petit Manu Liverpool à 17h30. Ouf, le communisme m'a cravé, oui. Ah, alors que la guerre d'Espagne. J'ai intérêt à soutenir ou pas? C'est toujours mieux, oui, mais c'est toi qui vois. Soutenir qui? Bah, salaud. Non, mais en fait, j'aurais jamais me rappeler. Bah, de... Enfin... Mais je connais pas l'histoire, moi, enfin... Bah, enfin. Regarde qui soutient Franco. Les nationalistes. Alors, José Sanjurjo. Oui, Sanjurjo, bah c'est ça, c'est eux. Junte militaire, et d'accord, soutenu par le Reich allemand et... Voilà, donc, les autres. La République, enfin, monsieur. Je peux envoyer 7 divisions. À la République? Ouais. Putain. Enfin, à la junte militaire, pardon. Ah non, mais envoie pas à la junte militaire. Et c'est plus drôle. Mais non, mais ça n'a aucun sens. La vie n'a aucun sens. Ça fait un ennemi en plus, hein. Ouais, comme vous voulez, comme vous voulez.
Ah, je peux envoyer 6 divisions à la République. Ah bah c'est déjà énorme. Ils viennent d'où les sudistes? Ouais, on s'en fout des sudistes. Ouais, pourquoi on est pas ici ouais, je regarde ce que j'ai comme... Notre Reich à nous. Ce que j'ai comme troupe. C'est pas mal des chevaux et de la montagne parce que c'est très montagneux l'Espagne, on est d'accord? Alors après, ce qui peut faire la différence, c'est des chars surtout là-bas parce qu'ils en ont pas. Ni d'un côté ni de l'autre. Ok. C'est très montagneux, pas tant. Hein. Enfin oui, mais pas... Bah, pff, après, à la rigueur, on voit 3 chars et 3 infanteries, si tu vois, mais... La Blitzkrieg, ça marche, hein, comme tactique, vraiment. Je connais cette théorie. Alors, 3 chars ici. Il est mal en verre, Jacques Montpellier avait expulsé Koulibaly, il a expulsé... C'était contre Montpellier, il nous a déjà arbitré cette saison, Galros. Alors, Kuznetsov... Je t'ai envoyé une petite demande de négociation de licence. Mais pour l'instant, ça me sert pas, mais ça me servira plus tard. Salut Yox. Il avait l'arbitre. C'était l'arbitre Montpellier Dijon. Ok, ok. Après, voilà, c'est pas que l'arbitre. C'est sûr, ça nous met dans des dispositions compliquées, mais c'est pas que l'arbitre quand tu perds 5-1, tu vois. Mais la physionomie du match peut changer, en effet. Il y a double erreur d'arbitre, enfin double erreur. Ouais, bah ouais. La semelle qu'il a mis le Messin sur Koulibaly. Ouais, d'accord. C'était assez honteux. Mm-hmm. C'est bon ? Ouais, tout à fait. L'Espagne a accepté. Plus jamais ça. Taux de recouvrement des divisions, défense division. Parfait ! Vive la Chine communiste, nous dit-on, mais oui ! Bien sûr. Tout à fait. Alors moi, ça arrivera le 3 août, ok. Ça change le match. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est ce que j'entendais par là, Galoros. Attends, qu'est-ce que je peux faire chez eux? Est-ce que je peux déjà tenter... Qu'est-ce qu'on fait? Recherche ou soutien populaire? On va faire ça. Non, recherche. Sur la fin de la Première Guerre mondiale, je ne sais plus si je l'ai vu à Roussy. De quoi? Je crois pas. Je répondais à Roussy, pardon. Ok. Il a pesté contre l'arbitrage de deuxième but à cause du coup franc, pas forcément mérité. L'arbitre a pas apprécié. Du coup, changement au gouvernement. Il dit à l'arbitre qu'il était nul, ok. Ah, ça se dit peut-être pas. Tu le sais que... Oui, même si tu sais qu'il y a une injustice, tu sais qu'il faut pas le dire. Quoi. Parce que c'est l'arbitre qui a le carton. Tu vois, c'est con, mais toi, t'as pas de carton rouge pour l'arbitre. Tu vois, lui, il en a un contre toi, donc bon. Vraiment, elle est... Ouais, tout à fait, Galerous, ils ont annoncé ça il y a une semaine, je crois. Tout à fait. Rugby, c'est avec un G, pas un D, Galerous. Est-ce que c'est bon pour vous, monsieur Bichon? Tout à fait, tout à fait. Zébarri. Ils ont combien de troupes en face au Sibéchan de main? Entre 3 et 12. Mm-hmm. Mm-hmm. Je vois bien. Et la guerre, je leur déclare quand? Le 1er octobre. Très belle date. Alors, je suis désolé, je vais faire pause puisque mes troupes sont arrivées. Bah après, elles vont repartir. Si tu me les renvoies, elles repartiront, donc tu peux les laisser dans un coin.
Mes troupes sont arrivées ah, en Espagne. En Espagne, tu veux dire, pardon. Okay, je pensais que c'était celle qui rentrait chez moi. Pardon. Alors, qu'est-ce que la priorité ? Elles sont arrivées à Valence ? Oui, tout à fait. Essaie de sauver les Asturies au nord de Burgos. J'imagine, hein, tu mets tes troupes au nord de Madrid pour tenter une poussée vers le nord, tu vois. Pour faire une poquette géante en Aragon. Ok. Je sais pas, c'est ce que je tenterai. Après, faut s'adapter quand même. On fait comme ça. Ouais, c'est ça, Paul. C'est surtout les termes utilisés aussi. À voir, quoi. Enfin, surtout, c'est aussi les termes utilisés. Ok, ça produit pas mal, ça. En plus, on a saisi du matos au Shang-Chi, donc c'est bon, ça. Monsieur Buntis, bonjour. Comment il va ? Alors, ils ont des troupes presque partout, mais pas là. Jours et ici 60 jours. Dans 60 jours, je peux commencer à rechercher les chars. Ok, ah, et dans moins de 2 mois, j'attaque en fait. Putain, ah oui. Ouais, mais attends, mais sortez-moi des divisions là en fait. L'entraînement est pas fini, mais c'est pas un souci. Donc on a le matos, ça passe. Donc on a le matos, on a l'espoir. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Les 11e Jeux Olympiques donc. Tout à fait, ta maman. C'est pas si confortable d'avoir un max d'usines qui produisent. Eh, c'est pas mal, hein. Mine de rien. J'aurais pas le temps d'arriver, je pense, au nord de Burgos. Ok, ok, bon, c'est pas grave. Au pire, ça pourra leur prendre leur capitale. Et si tu peux quand même tenter la pocket sur l'Aragon. Sachant qu'il n'y a pas vraiment pocket, en tout cas qu'ils subissent pas l'attrition, s'ils ont encore un port à disposition. Hein, donc, tu vois l'objectif en gros, quoi. Mes excuses pour cette pause qui était importante pour moi. Le mec pose des vidéos YouTube pendant qu'il est en live. Ouais, ça marche comme ça aussi, tout à fait. Il dit se stationner à Guernica, paraît qu'il y fait bon. Alors qu'il y a un conseil dans le chat pour toi avec la DUS, apparemment il faudrait que tu ailles te stationner à Guernica. Il y fait bon vivre, je cite. Ah, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est juste à côté de Pamplune, hein, au cas où, c'est au Pays Basque. Mmh, bah, je vais faire ça. Voilà. Un bar spécial à me recommander ou... Le bar. Oui, j'ai un pote qui tient un bar là-bas. Ouais, tout à fait. Il s'appelle Amine. C'est le bar Amine. Au secours. Ouais. Rossi nous répond d'abord Guernica, puis Casso. Putain, elle aide. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Pour Rusty, elle est pas mal. Oui, ça. Et salut Brest, comment vas-tu ? Il y a un célèbre bar allemand, le Luftwaffe, je crois. Oui, ça. Condoléances, Brest, hein, pour la défaite contre Nantes, du coup, apparemment. Coup dur. Je m'éloigne du micro quand je mange. Le mec mange en stream, quoi. Quel non, mais je mange des bananes séchées. Avant qu'elles soient séchées. Alors des bananes, quoi. La honte m'envahit actuellement et toi ? Bah tout. Non, moi, c'est pas la honte, c'est le dépit si vous voulez, mais nous aussi on s'est pris une tôle, donc. Oh, y'a rien qui va, y'a rien qui va quoi. Alors, la recherche, ça on a dit qu'on s'en foutait. On est encore en 36, quel enfer. Pourquoi j'ai pas excavation niveau 2 ? Ah oui, j'ai que niveau 1. Ah oui, ça sera en 37, d'accord. Est-ce que j'ai intérêt à faire ça, oui. C'est beau, mais on peut vraiment pas compter sur le Finistérien. Rien est mauvais en tout, ça. Allez, Titi. Ah oui, machin comme ça, même pas foutu de faire des courbes correctement, yes. J'attaque dans moins d'un mois, hein, le 1er octobre. Hein, j'attaque le 1er octobre. C'est la place du 1er octobre ? Oui, tout à fait. Bon, je pense que c'est mort pour Burgos. Ok. Ouais, quoique.
Non, je peux quand même peut-être attaquer Burgos, mais le nord de l'Espagne est pété de toute façon. En vrai, je pense qu'avec 6 divisions, tu leur roules dessus. Enfin, tu peux leur rouler dessus. Ça dépend quel soutien ils ont reçu des Allemands et des Italiens aussi, mais... Bah là, ça avance pas, mais la bataille durera encore 40 jours. Ouais, non, mais c'est toujours très très long le début, mais en fait, dès que tu réussis à passer un coin, à enfoncer un coin derrière, c'est parti, quoi. J'ai une tente sur GTA. Ah, très bien, ça. Bon GTA à toi. Au pire, il y a un ex Luxembourg au passage pour pas faire le voyage pour rien. Ce qu'il y a, c'est que là, je fonce vers toutes les troupes qui étaient concentrées au nord. Ça risque d'être compliqué après. Ouais, mais au moins, tu les retiens un peu. Enfin, tu vois, je sais pas... Non, c'est pas un problème, ouais. Enfin, après, tu vois, hein, je te conseillais ça, c'est vrai, parce que c'était tentant d'essayer de les sauver, mais... Si tu peux pas le faire, tu redistribues tes troupes, enfin tu redispatches tes troupes un peu ailleurs. Yes. Le problème c'est qu'il y a un fleuve là, il va être chiant à passer. Ici ça peut passer. Ouais, ici ça va passer tranquille. Oui, là ça va passer tranquille. Passer par le nord. Là il y a de la montagne, c'est relou, mais il y a personne. Donc si on immobilise, on est bien. Ok. Alors micro aussi un peu. On produit 30 fusils par jour. Est-ce qu'on a des réserves déjà? Non. Pas encore. On est toujours en 36, hein, on est d'accord? Tout à fait. Ça peut paraître un peu long avec l'URSS au départ, mais vraiment, c'est hyper important de pas trop rusher, on va dire, sans rien faire les années 36 et 37. Oui, non, mais moi, je suis ouvert à la discussion, vous savez. Tout à fait, tout à fait. Putain, regardez, j'ai pris un état en plus. J'avais 600 000 de réserve au départ. J'ai pris le Shaanxi juste. Je suis à 2 millions. Ça change. C'est trop bien. Ok, petite pause. Donc, déclarer la guerre, c'est fait. Maintenant, on va lancer la petite micro qui va bien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Alors, communiste, bonjour. Ici. Ah, je peux t'envoyer 3 unités. Ah, parfait. Il faut juste que je les récupère. Parfait, parfait, ça. Et salut, Eiffel. Bah, Bichon, Fit et Cladus, c'est bonjour le monde. Il y a Eiffel qui te dit bonjour. Bonjour Eiffel. Je mets le lien du multi, hein, n'oubliez pas. Vous pouvez voir les deux points de vue. Un objectif précis de fin de partie ou c'est juste la domination du monde? Oh, c'est tout simplement la domination du monde. Hein. Enfin, en tout cas, la plus grande ère possible. Le général Nikandre Chibizov qui a déjà brillamment soutenu la Chine communiste. Merci, monsieur Chibizov. Va continuer de soutenir l'effort de guerre. Tout à fait. C'est gentil. Hein. Bien à vous. C'est accepté. Ils en sont absolument ravis. Eh bien écoutez, c'est quand vous voulez. Ben me too. Ok, donc là ça se passe bien. Ici ça se passe bien. Là aussi, ok. Ici on va avancer. Donc... Ah ouais, mais... passer en deux, non? Je sais pas. Non, pour moi c'est bon. Pour toi, si t'estimes pour que toi t'as besoin, c'est bon, mais. Pour l'instant, non, mais. Que fait Minus? Qui fait Minus? C'est moi qui fais Minus. Eiffel. Ah, mais attends. Il y a un petit coin qui veut dire qu'il n'y a pas forcément le. Ils ont pas davantage de fleuve parce qu'il y a un petit coin qui dépasse ici. On a dit qu'on s'en foutait. C'est un bug, ça c'est pas possible. Moi c'est le 15 octobre chez toi. Là ok. Aussi. Yes.
Le 15 octobre, on reçoit 3 divisions soviétiques. On prend de l'avance là-dessus. Attends, octobre, novembre, décembre, janvier, 30. Ok. Fin janvier, on aura ce truc-là. D'accord. Bon, alors, bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que vous faites, vous? Toc. Il nous faut quoi, là? Est-ce que socialisme agraire? Oh, oui, bah oui, socialisme agraire, bien sûr. Social-démocratie, non? Attends. Parce que je regarde juste, est-ce que je vais devenir orthodoxe marxiste? Non, maoïste. Oui, bien sûr. Tout à fait. Donc, une technologie en plus. On va pouvoir développer et chercher les chars. Perfect. C'est bon. C'est parti. Let's go. Bienvenue à tous. Oh oui, oh, ils sont en train de faire une erreur. Oh oui, j'aime ça. Oh, j'aime l'erreur que je suis en train de voir. S'ils retirent cette division, on peut pas que celle-ci. Oh, ils sortiraient celle-ci. Oh, ça recule de partout. Parfait. Incroyable ce qui se passe actuellement du côté de la Chine communiste. Ah ouais, c'est fou, c'est fou. Oh, les cons. Oh, l'IA, elle est teubée. Enfin, et teubé, ça va, mais... Ah, des troupes viennent d'arriver. Tout à fait, je m'y pose pour comprendre les tenants, les aboutissants. Alors, l'idéal, ce serait que tu viennes, alors, pas complètement au nord, mais légèrement en dessous, tu vois, au niveau du combat qui est à 74. Et avec tes troupes, donc tes 3 chars, tu rushes leur capitale. Voilà. J'ai un bug d'affichage, ou alors j'ai fait une connerie. Ok, c'est bon. En fait, alors, faut... ils ont complètement au nord. Ouais, entre le... Non, pas complètement au nord. Entre le 82 et le 74, tu vois, les combats. Non, j'ai pas les chiffres. T'as pas les chiffres, ok. Donc pas tout à fait au nord du fleuve, mais légèrement en dessous, tu vois. Là où t'as une unité qui va sur le cheval. Non. Oui, si, c'est ça. Donc, en fait, une fois que t'es dessus, l'ordre, ce sera de rusher leur capitale. La capitale qui est très loin, ok. C'est ça. Mais vu que t'as les chars, tu rushes, quoi. Je monte plutôt sur ton unité seul, plutôt que sur les deux, sur les deux qui sont en dessous. Peu importe. En fait, l'idéal, c'est que tu mettes pas tes... Mais l'idéal, c'est que tu mettes pas tes troupes sur une seule truc. Là, tu peux étirer le front, quoi. Ok. Tu le mets sur deux cases, genre les deux cases en dessous, là, tu vois. Faisons ça. Avec une ligne d'attaque. Ok, c'est parti. Let's go. Oh, ils sont vraiment bêtes. Mon dieu, ils sont teubés. Mon dieu, mais l'IA, elle a 0 de QI, en fait. Ah, c'est génial. Pas si simple. Ah non, ils veulent se caler là, derrière le fleuve. Ah ouais, c'est pas si con. Enfin, si, c'est con globalement, parce que derrière, c'est, tout est ouvert, quoi. Le nord est ouvert, les plaines du nord et du centre sont complètement ouvertes. Ah, ça y est, ils ont compris. Je crois que ça y est. Ok. Oh, ça se passe plutôt pas mal là. Bah, c'est bon, on peut attaquer, mon petit. Est-ce que j'ai intérêt à remplacer l'économie exportatrice ou pas? Non, pour l'instant, non. Ok. Ça te libère des usines, faut prod. Et Cladus, il a pris le mot rocher au pied de la lettre, ses chars ils disent même pas bonjour quand ils croisent. C'est ça. Un mal poli, va. Comment ça? Ah, alors que Shibizov tombe malade. Ah, ça arrive, okay. Hein, le climat chinois, c'est pas simple. C'est ça, je soupçonne une tentative de trahison, mais... Non, pas du tout. Vous savez pas que le cyanure, c'était toxique. Je vais quand même faire une petite purge prochainement. C'est marrant, ça.
Parce qu'il y a vraiment les purges de l'armée, en plus. Lol. C'est fou, hein. Ouais. Croire que cette vanne était faite exprès. Elle était faite exprès. Faite exprès, tout à fait. Comment ça va en Espagne ? Et ben voilà, la percée est faite. Ah bah très bien. Tu vas peut-être pouvoir sauver les soldats asturiens en fait. Pas sûr hein, mais... Ok, alors attends, petite pause. Ok, donc ça on est bon. Ah putain, j'ai pas recherché l'électronique. Quel connard. Putain, je produis un truc, il est obsolète quoi, super. Comme Pénélope. Super Pénélope ? Non, Pénélope obsolète. Et après c'est critique aussi. Mais... Non, mais ça c'était les nuls, donc c'est la culture, donc t'as pas le droit de critiquer. C'est ça. Ok, donc là, ok, toi, tu vas venir où ? Tu vas venir ici. Ouais. Ok, je peux enlever la pause, c'est bon ? Oui, oui, tout à fait. Parfait. Ok, on a percé un peu au nord. Surtout, on a passé la rivière. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça. On perce partout, hein, globalement, de toute façon. Attendez, je vais essayer d'aller rusher la capitale aussi, moi. Ah, putain. Allô ? Oui, c'est bon. Il y a un petit bug du côté de l'Espagne, hein. C'est assez marrant. C'est quoi ? Bon, il y a une unité qui attaque, qui arrête, qui attaque, qui arrête, qui arrête, qui attaque, qui arrête, c'est... Ah, mais c'est... C'est un peu spécial. Hein. Unité à toi ou à eux ? À eux. D'accord, ok. Ouais, c'est l'IA, elle est teubée. Et voilà, ça passe partout. Oh, attends, on va essayer de... Attends, je vais quand même tenter. Vas-y, on tente de les pocket, toutes les unités du Nord, là. Je tente une montée. Je tente un truc. Ah, ils ont compris. Ah, on va pas pouvoir les pocket. Flûte ! On peut en pocket quelques-uns quand même. Regardez, vous voyez ça, tout ce truc rose, là, c'est la liberté qui avance. Non, non, mais viens là, toi, du coup. Voilà, allez, la liberté, elle continue d'avancer, là, on est bien. Oh oui. Merci, ils ont en train de j'ai vu qu'on avait offert un sub. Et j'ai même pas pu remercier. Ah bah c'est. Oui, oui, tout à fait, FL. Ah, peut-être qu'il va passer aujourd'hui, je ne sais pas. Pour le remercier à cette occasion. La liberté, ce monde, des millions de morts dans son sillage. Oh non, mais les morts, c'est. Vous savez, un mort, c'est une tragédie. Un million, c'est une statistique. Je laisse de Tarbichon maître de ces. Ah, c'est pas moi, c'est de toi. Enfin, de toi, c'est de Staline. Ouais, ouais. Ah, oh, un char allemand à côté de chez moi. Ah tiens. Comme par hasard. Ah bah voilà, le Nord. Il est pris, le Nord. Parfait, ça. Est-ce qu'on commence à justifier contre le Shibai, contre le Xinjiang ? Oui. Alors, le Xinjiang qui est communiste aussi. Mais c'est pas les mêmes. Donc, voilà. Donc, c'est quand même pas bien. Ok, on a pris une usine militaire, ça c'est bon. Les chars allemands tentent de m'attaquer. Personne en face pour te combattre, t'es sûr de gagner. Y'a personne en face ? Bah si, si, y'a du monde là, mais c'est juste que je les défonce en fait. Mais ils ont pas assez de troupes pour tenir tout leur front, c'est ça le truc. J'aime aucun mort, on est venu se plaindre. Vous êtes ensemble ou contre ? Alors pour l'instant on est chacun de notre côté, mais à terme, vu qu'on a la même idéologie, on va intégrer la même alliance. Enfin, je vais intégrer son alliance, le Comintern. Et on va rouler sur les gens quoi. On est sur une stratégie de soutien à ces... C'est la coopération. Donc là, j'ai pris la capitale. Je vais prendre la deuxième. Ils sont à combien de capitulés là ? Ah oui. Oh bah oui.
Là, ils vont capituler. Hein. Dès que t'enlèves la pause, ils capitulent, en fait. Voilà. Grande nouvelle. Hop. Prendre tous les états. Fin du tour. Clac. Et merci. Hein. Toujours un plaisir. Hop. Allez, prochaine cible, le Xinjiang. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose, la Chine communiste. 3 180 000 personnes en réserve, yes. L'idéologie dans la gueule. Oui, non, mais eux, ils vont prendre l'idéologie dans la gueule, oui, ça c'est clair. Est-ce qu'on a chopé des usines avec? Oui, il y en a 8 usines maintenant. Oh là là, et ça produit là. On va un peu réduire ça, parce qu'on s'en fout. Et on va commencer à faire ça, et oui. C'est développé avec les genoux par contre, hein, c'est terrible. C'est bon, je peux enlever la pause. Vas-y, vas-y, vas-y. Je t'en prie. Dans le jeu, on peut passer la logique historique. On peut ne pas suivre... Ouais, tout à fait, Oslo. On peut tout à fait, alors soit parce qu'on choisit de le faire soi-même, soit on peut même configurer pour que la partie en entier ne suive pas la logique historique. C'est ça. La Chine en rose, c'est sûr de la couleur. Ah bah oui, oui, bah c'est un rose foncé, c'est un rose rouge, quoi. Mais la Chine populaire, vous verrez, après, là, il y aura une grosse, un gros truc tout rose. Ce sera bien. Socialisme agraire, ok. Encore aussi dit, la coopération dans la Team Burgundy Sport, on n'a jamais vu ça. Mouvement de rectification, déjà, ouais. On va faire la rectification. Ah oui, c'est ça. Alors, la rectification dans le langage stalinien et maoïste, c'est... En gros, on disait des trucs avant, on disait que c'était la vérité. Mais en fait, on se rend compte un peu après qu'on s'est gouré. Donc on dit, ah non, mais c'était normal... Mais c'est par contre, si vous pensez toujours comme avant, c'est goulag, en gros. Hein, c'est voilà. Je peux enlever ? Non, non. Ok. Je sais pas quoi faire en Espagne. Ça recule de partout. Tu ne sais pas quoi faire en Espagne. Défends Madrid. Ouais. Essaie de repousser Madrid en fait pour pousser jusqu'à la frontière portugaise si tu peux. Mais c'est chaud hein, mais. Toutes mes unités sont bloquées parce qu'elles défendent. Ok. Mais dès qu'elles défendront plus, elles iront sur leur point. Jamais de te faire prendre ta capitale, après la Chine ne bouge pas alors que ta capitale est libre. Parce que je suis pas en guerre contre eux en fait. On est officiellement pas en guerre civile là. C'est juste des états différents. Ouais, tout à fait. C'est juste des états différents en fait. Il faut bien se dire que la Chine n'était pas unifiée avant 1949, donc... Enfin, ils se tapaient déjà dessus, hein, entre la Chine classique, on va dire, le Kuomintang et la Chine communiste. Mais c'était pas vraiment ce qu'on entend par guerre civile qu'il y a eu ensuite entre 45 et 49. Surtout qu'ensuite, après, ils ont été amenés à collaborer, enfin, à coopérer. Mais eux, ils déclareront pas la guerre de leur plein gré. Par contre, ils ont beaucoup, beaucoup de troupes. Ça, c'est le souci. Est-ce que j'ai du matos? Attends, j'ai du matos en rable. Ah bah oui, putain, je peux faire d'autres unités. Voilà. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel je peux rajouter encore... Ah non, putain, j'ai pas de bataillon, à l'aide. Non, je suis en aire de combat sur 12. 14. 16. Merde. 18. Bah ça, je voulais faire. Ok, là, j'ai plus assez de matos, par contre. Clac, clac, ok. Clac. Voilà. Les guerres, ça a l'air très scripté. Non, pas tant. En fait, c'est juste qu'il y a des points de victoire à choper. Et que, comme c'est des pays qui sont un peu tout pétés, il n'y a que la capitale à prendre. Mais c'est moi qui choisis de rusher comme ça. Hein. Mais en vrai, ça se passe complètement différemment en Europe, par exemple. Enfin, les mécaniques sont les mêmes, mais c'est pas aussi simple. Tout simplement. Et Elche, bonsoir, bonjour. Et Mamad Force, merci beaucoup pour le follow. Et Elche, du coup, hier, on a gagné la Ligue des Champions. Incroyable. C'est du marketing, le rouge c'est agressif. Oui c'est ça, c'est du marketing, on est un peu plan cadeau là.
Alors... Et on va couper la première VOD pour YouTube. Des bisous YouTube. Si tu as kiffé le début de cette expansion de la Chine communiste et la prise de contrôle, on va dire, du nord de la Chine, la suite va arriver bientôt. Un petit pouce bleu et à bientôt. Bisous.